Bonjour frère Maxime, comment nous est? C'est GFL Cuisine Créole. J'en fais donner dit votre chef à la maison qui rentre la caille, nous dit nous merci. Merci pour confiance nous, merci pour fidélité nous et merci pour bouche à l'oreille nous continuer à faire pour moi. Jodi à la m'pral préparer pour nous un brunch créole. Qui ça qui un brunch? Un brunch c'est un mélange de dîner avec déjeuner ensemble. C'est ça un brunch. Point final. Gon paquet bagage chaud m'étant fait déjà nous qu'on habitué faire. Moi fait déjà qui sur chaîne YouTube là, moi pas montrer nous comment on fait, m'a juste pas le mettre sur table là pour nous en présentation. Yon la bagaille chaud m'va le montrer nous parce qu'elle gon petit bagaille particulier là-dedans, c'est ça c'est un crêpe lié. Moi montrer nous fait crêpe déjà, mais sauf que qu'on a m'va le montrer nous comment pour nous présenter en brunch. Moi prend crêpe là moi qui t'en fait déjà, qu'on a qui ça me fait, m'a rouler crêpe là. Moi fin nous les crêpes là. Moi vini avec un cuillère de beurre, moi mettez pas dessus. Et puis moi ouvre beurre là sous lui. Une fois que beurre là bien ouvert sous lui, qu'on est là moi prend sirop d'érable, moi déposer sous lui. C'est sirop d'érable moi gagne ici tout même on ca mettre sirop que vous voulez. Moi pour mettre un papier saran wrap là dessus. Venez, qu'on est là moi pour mettre dans foie. Moi pour mettre un bouton dans foie qui marqué garder au chaud. La tout bon petit chalet tout doucement là-dedans et les mêmes qui pral font petit beurre qui pral bail crêpe là un petit chaleur tout petit là qu'on a pral préparer un petit assiette de fromage. Et voilà. Venez, ça c'est un assiette de fruits, ça c'est un beurre. Moi je mets là dans ça, je le garde au chaud toute la nuit. Qu'on a les faire ça, je le beurre clarifié. Un beurre clarifié, c'est quoi? Beurre, le fond, toute graisse arrêtée à part et puis l'être arrêtée à part. Moi je vais le diviser pour nous qui ça la baille. L'être qui me diviser là, regarde, ça c'est beurre, ça c'est l'être là. Moi j'ai tout ça, moi je prends ça pour mal faire hollandaise. Même quand l'eau a bouilli là, même venu avec 4 jaunes œufs, je mets dans mi temps là. L'eau de ça, on bien marre. Ça, c'est bien clarifié moi. Ça, c'est une cuillère de jus de citron. C'est juste ça. Avec un petit sel soufflé, mais son beurre salé qui m'a gagné, je vais mettre sel là-dedans. Qui va le faire bien clarifié. Bon, on cuit. Vraiment que la jaune œuf a commencé à cuire. Ou brassel ou elle a commencé à changer couleur par jaune encore commencé blanc. Quand on a m'a venir avec beurre clarifié comme des filaments m'a versé. Filaments ça veut dire très fine. Prends son garder qui joue pour la couleur. C'est parfait. Moi venir avec cuillère de jus de citron moi déposer là-dedans. On a regardé comment c'est bien onctueux, c'est bien qu'on a fait mes différents. Moi, fait mes différents, on regarde nous là, il est vraiment blanc, c'est très bon. C'est comme ça qu'on fait une hollandaise. C'est fait. De l'eau, ça, moi, je mettais bouillard, je mettais 2 cuillères de vinaigre blanc là-dedans. Qu'on a là, on va faire ça, on a des œufs pochés. Moi, je finis avec œufs, nous, les œufs, je casse l'entier, je mets là-dedans. Je mets le tout entier. Après blanc pour le ramasser avec jaune la fait un seul. Qui ça fait ça? C'est vinaigre là qui fait ça. Une fois qu'il est bouilli pendant 5 minutes, moi pour le retirer individuellement, moi prends un cuillère qui vient tout en bas pour de l'eau à tomber. Et voilà. Qu'on a là, même venu salir des œufs pochés qu'on a fait des œufs bénédictines pour nous. Ça c'est sur mon fumelier, moi mettez sur mon fumier en bas ça et moi mettez épinards l'autre côté. Une fois que mettez fin mettez viande ou bien garniture en bas, n'a moins déposé œufs pochés à sous pain. Une fois que moi fin fait ça, c'est au même qui œufs bénédictines. Qu'on a hollandaise qui là, moi mettez son bagage qui kembe chaud, moi brasser de temps en temps. Qu'on a là moi mettez sauce hollandaise sous œufs pochés
qu'on a pour me faire ça au dé bénédictine. Et voilà. Ça, c'est ça me devait montrer nous qu'on a nous pour monter table. Qu'on y a là pour déposer tout ça qui va le faire nous gagner un brunch créole. Ça, c'est un poulet créole. Ça, c'est un diri avec pois congo. Ça, c'est œufs bénédictines là. Ça, c'est un pâté cordé. Ça, c'est bacon. Ça, c'est saucisse. Là, moi fini du côté chaud. C'est ça nous t'arrêter yon dîner ou bien yon souper. Parce que yon brunch, c'est yon mélange de petit déjeuner et puis avec dîner ou souper ensemble. Là, nous devons mettre d'autres choses encore. Nous devons mettre poisson, goût de sel. Nous devons mettre saumon. Toutes sortes de cabines encore. Nous devons mettre maïs moulin. Ok? Qu'on a là, nous parlons pas de partie maintenant qui t'a censé aller déjeuner. Ça, c'est un plat de croissant. C'est une assiette de crêpes. Ça, c'est une assiette de fromage. C'est une assiette de fruits. Même déposer deux assiettes de raisin. Et pour finir, même déposer deux assiettes de fruits de saison. Ça, c'est les mêmes qui ont brunch créole. Après, lorsque je fais affaire, je mets toujours créole pour que ça me porte accent là-dessus. Moi, je fais un signe de bagages haïtiens, je mets là-dedans. Lorsque je regarde les Français, elle fait cuisine par les deux cuisines. Française n'est pas de cuisine européenne. Chinois lui-même n'est pas honte pour les manger rat lia. Nous-mêmes nous va manger rat. Tout ça nous manger nous ca présenter lui. Mon connais haïtien nous c'est mon qui intelligent nous n'a demandé qui ça ça est. Mettez le bon côté du riz. Ça c'est un petit assiette de gratin lié. Gratin du riz. Moi mettez le assiette à part. Ça veut dire mon qui remet gratin là uniquement aller prendre gratin li manger sans aucun complexe. C'est ou même avec qui pour retirer complexe dans culture nous. Ça nous est pas là tout nous est pas gagner jus qui sous table là. On pas mettre jus sous table là ou même ou gagner mettre jus ou mettre cola couronne. C'est ça que fait un brunch nous ouais. C'est plat principal mélangé avec dessert petit-déjeuner. Pas oublier partager vidéo pour moi. Ça c'était un petit brunch pour nous préparer en famille pour Saint-Valentin. C'était JFL Cuisine Créole. Jean-Fédor Lundi, votre chef à la maison qui rentre la canou. Merci, au revoir.